J'ai niqué la game quoi. Bon voilà, à mon avis ils vont biper de partout hein, les machins. Parce que... Gagne-moi ça. Non mais sérieux. Les mecs ils ont été poussés là quoi. Résultat, à l'isolement. Parce qu'ils étaient dans une zone où il fallait pas. Oh purée. Les mecs ont juste été poussés là. Ah, vous êtes dans une zone interdite. Ok. C'est ça, hein? Ou ça... Non, ça a dû sauter. Ouais, ça a sauté. Ouais, ça a sauté ici. Donc, ouais, donc... Non, non, je sais pas, ils ont dû faire des conneries. Bon voilà. Bon, on va pouvoir démonter ces trois portes. Mais clairement, j'ai fait le con. Oh non mais c'est sérieux quoi. Bon. Fait, il y a vraiment là où il y avait les portes en fait que c'est tranquille quoi. Mais partout où il y avait les détecteurs de métaux, tout est parti quoi. Bon, donc en gros, il y aura que les sas de sécurité qui sont en plein air, ce qui est ridicule, et le couloir de répartition et voilà. Et voilà, et est à l'intérieur. Enfin, c'est un intérieur, enfin, c'est un bâtiment complet, quoi. C'est un long couloir avec un toit, quoi. Enfin, ouais, bon. Why not, quoi? C'est conceptuel. Voilà. Ouais. Bon ben, c'est reparti pour faire 3 blocs de cellules de toute façon en... Par contre, j'ai encore des libertés. Ouais, wow, ça se remplit quand même. Dire, je pense que... Ouais, je pense que c'est mieux rempli quand même. Je pense que pour les conditionnels, ils doivent s'accrocher quand même. Alors... Il me faut ma duplication. Ma duplication. Pardon. Elle était pas mal trouvée celle-là. Non, annule, 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 annule. Avant les duplications, faut faire autre chose. Il faut faire ça. La flotte, il faut tout ça. Alors.
J'espère que ça va passer au niveau du générateur. Ça, on va le savoir tout de suite, hein. C'est bon, je l'ai fait celui-là. Ok, bon. Donc tout est bon normalement. Il ne manque plus que les petits tuyaux d'eau. Bon, ouais, voilà, je fais ça de loin. Professionnel, comme dirait l'autre. Et voilà, ça fait des chocs à pic. Pardon, ça fait 3 fois quand même que je sors cette blague à la con, mais bon. Je suis exaspérant. Ouais, si, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça me semblait bizarre sur le coup. Allez, hop, c'est à cause de la couleur, ça. Bon. Il manque 3. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, bah là, ils ont de quoi bosser, hein, tout va bien. Quand les lumières s'allumeront, on saura si le générateur tient la route ou pas. Mais clairement, voilà quoi. Quand je vois toutes les cellules que j'ai pu alimenter là, clairement pour cette version finale, les générateurs ont clairement été boostés. Clairement, super boostés, quoi. Enfin bref.
Bon, alors, c'est ouais, quelques minutes de silence là, petite minute de silence. Bon, c'est pas du tout votre lecteur qui a bugué, je vous rassure tout de suite. C'est juste moi qui ai bugué et puis ben, ça devient long. Ça devient long, je sais pas. Je pense que je vais continuer hors caméra, je vais pas vous refaire un timelapse d'une heure. Quelle heure il est là? Ok. Non, je vais pas vous refaire un timelapse d'une heure, hein, clairement pas. Mais voilà, je pense qu'on va arrêter là. Et je reprendrai lorsque j'aurai un prisonnier de... Comment dire? Un prisonnier à la mort. Je pense qu'on terminera là-dessus. On terminera quand j'aurai... Voilà quoi, quand j'aurai suffisamment de... Quand j'aurai atteint les 1000 prisonniers et que j'aurai un condamné à mort, ou des condamnés à mort. Voilà. Ça produit pas de plaque d'immatriculation, hein, c'est de la merde. Bon, enfin bref. Il y a des trucs quand même dans le jeu qui... Voilà, qui... Il y a un tas de trucs dans les services. Alors, je peux déjà vous... ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais vous dire tout de suite ce que j'ai pensé de ce jeu. Et on se retrouvera pour la fin quand j'aurai atteint les 1000 prisonniers et le... Et qu'on mettra à mort un condamné. Je ne peux pas enfin, faire en sorte qu'un prisonnier en haute sécurité, par exemple, devienne un condamné à mort. Hein. Moi, je peux pas. Hein. C'est la justice qui décide qui va à mort ou pas. Dans le jeu, je ne peux pas décider de qui doit vivre ou mourir. Hein. Clairement, même si on peut un peu tricher quand même. Là, par exemple, ce que je peux faire, c'est un membre de gang. Je le libère de son isolement. Et en gros, je le fais se faire griller à mort. Et il se butait. Voilà. C'est moyen de condamner à mort, mais voilà quoi. Il y a cette technique-là qui marche, je le sais, je l'ai déjà expérimenté en alpha et elle marche toujours en finale. À ce que je... Enfin, à ce que je pense. On peut essayer rapidement, on peut essayer ça rapidement quand même. Donc voilà, donc clairement, j'ai essayé également les portes avec les servos moteurs. Les portes automatiques, ça marche pas, j'arrive pas à faire fonctionner le truc. Alors que j'ai un garde sur le système de contrôle des portes et tout, mais ça marche pas. Les mecs restent plantés devant la porte et puis le garde n'ouvre pas la porte. Donc voilà, donc 2-3 bugs comme ça, 2-3 trucs chiants à utiliser, pas intuitif du tout, ou alors pas intuitif du tout. Mais sinon, le jeu est assez addictif, parce que j'y ai quand même passé, je pense, au moins une quinzaine d'heures de jeu là. Excusez-moi, je bois un coup en même temps. C'est assez marrant de jouer de façon sadique. On peut jouer sadique comme on peut jouer, bien sûr, soucieux. Mais voilà, le problème c'est que quand on joue soucieux, en fin de compte, les prisonniers finissent par nous gaver parce que les besoins augmentent toujours. Et puis les mecs, voilà quoi. On a l'impression les mecs... enfin, tu gères une prison, tu gères pas un hôtel, quoi. Enfin, voilà quoi. Dans l'idée... Voilà. Donc voilà. C'est un petit peu ce que j'ai pensé du jeu. C'est qu'il est très très bien. Franchement très... Il est très très addictif. Mais il y a 2-3 fonctionnalités du jeu qui sont en bug et qui c'est clairement dommage. Voilà. Bah sur ce, on se retrouve plus tard normalement avec les 4 blocs. Donc j'ai dit 52 prisonniers par cellule. D'ailleurs, je dois avoir un problème avec une cellule. Il y a une cellule qui doit être désactivée. Ah non, 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 il y a une cellule parce que là il y a la cellule d'attente, toi. C'est pour ça que j'ai un nombre impair de cellules. À mon avis, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Je dois avoir une cellule qui est désactivée quelque part.
d'avoir une cellule avec un trou, certainement avec une. Faut que je regarde, mais j'ai certainement une cellule qui n'est pas fonctionnelle. Tout simplement parce que je le vois, j'ai un nombre impair de cellules alors que je suis censé avoir un nombre pair de cellules. Ok, un truc qui cloche. Je vais faire le tour de mes cellules, on va bien voir. Et puis c'est tout. Puis ben comme je vous ai dit, on se retrouve quand on aura 1 millier de prisonniers et un condamné à mort. Voilà, à plus tard. Mesdames et messieurs, Richard Wiener. Eh ben d'accord. Eh ben ce sera notre condamné à mort pour cette première exécution. Quelqu'un qui a été donc condamné à double meurtre et coups et blessures. Donc il a été condamné à mort pour cela. Pour le moment sa probabilité de clémence est de 35%. Voilà. Donc c'est. Donc de toute façon, on va le mettre en confinement permanent. Ça va être aussi simple que ça, je pense. On va voir si on peut programmer quelque chose, si on peut programmer un truc, mais. Mais voilà, donc on va voir un petit peu l'évolution de cet homme au sein de notre cellule. Je pense qu'on va suivre cette histoire vraiment de près, on va faire que le suivre. Le reste de la prison de toute façon s'autogère. Je suis monté à 1059 capacité, sachant que j'ai encore 4 bâtiments qui sont frais et dispo. Je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai acheté une autre extension et j'ai 5 bâtiments. Là, le cinquième est en train d'être construit. J'ai même pas posé la porte en fait. Je les laisse juste comme ça. Au cas où vraiment on aurait un afflux de prisonniers important. Mais voilà. De toute façon, je pense que on va attendre un petit peu de monter un peu la capacité. Puis remettre comment dire, la liberté conditionnelle à 50%, voire plus, quand il s'agira de devoir faire évacuer enfin évacuer, quand il s'agira de faire de la place en prison, quoi. Voilà. Il va être embarqué? Non, toujours pas. Bon, j'ai géré les gangs également, j'ai géré les objets en partie. Apparemment il y en a nettement moins depuis que j'ai mis en place ce système de comment dire le couloir en fait en intérieur en fait. Alors j'ai regardé, on ne peut pas apparemment appliquer de régime, ou alors faut attendre qu'il soit dans sa cellule, mais on peut pas encore appliquer de régime pour les condamnés à mort. Donc voilà, donc ce sera Richard Wiener. Programme de réhabilitation. Le mec, il sera jamais en programme de réhabilitation, mais ça fait rien. Ouais. Alors, force de condamnation approuvée par l'État, 10%. Donc il faut de toute façon que sa clémence tombe en dessous de 10%. Donc on va voir ça au sud des jours. Ça va être un peu le fil rouge pour la suite, je pense. Voilà, il est emporté. Il est quand même amené à l'admission. Il n'est pas amené directement en cellule, mais ouais. On va surtout surveiller à ceux qui survivent.
J'ai manqué de garde pour gérer le cette salle par contre. J'ai eu un 2-3 morts en garde, je vais. On va monter à 200. On va monter à 200 gardes, je pense. Alors, remarque 170. Juste pour gérer les admissions, pour gérer tout ça, parce que. Si je monte à 180, je garde un income qui est tolérable. Ouais, allez, on va dire ça comme ça. J'aime pas ça, j'ai mes deux portes qui sont ouvertes. Donc, notre condamné à mort est toujours ici. Il y a quand même du boulot, hein. Ah, les mecs. Écoutez, je pense qu'on va accélérer un peu le processus. On va le mettre en confinement pour 6 heures. Comme ça, tout de suite. Ouais, je pense que c'est une solution, ça, pour fin tel jeu, pour dire voilà, ça c'est prioritaire. Je pense qu'il y aurait moyen. Mais bon. Voilà. Bon, de toute façon, je vous dis, ça va être le fil rouge un petit peu. On va juste surveiller qu'il se fasse pas se buter au passage. Attendant, j'ai trouvé la cellule entre deux qui était défectueuse. J'ai pas bien compris, il manquait un morceau de bâtiment, en fait. Donc, ce qui faisait qu'il y avait un trou dans la cellule. Voilà, quoi. Le truc con. Juste construire le prochain bâtiment de réserve. 4. Et ici, ça doit pas pouvoir rentrer. Donc voilà, donc ça ce sera les prochaines cellules au cas où, mais voilà, c'est vraiment pour de la surenchère, c'est vraiment pour. Tiens, d'ailleurs, j'ai déjà construire également. Mince, je voulais zoomer. Voilà, je vais construire ici. C'est les murs. Voilà. Comme ça on est bon. Alors, y a de quoi faire, hein. Franchement, j'ai encore de l'espace libre pour le moment. Je suis au 3 quarts de ma capacité, donc ça va. Alors, petit bilan sur l'état de la prison. J'ai 13 libérations conditionnelles en attente. J'ai 12. Excusez-moi. J'ai un appel. Très bien, excusez-moi pour cette coupure. J'ai reçu l'appel d'une vieille amie d'enfance.
qui passait dans le coin en fait. Donc voilà, donc j'ai fait une petite pause là de 2 heures, le temps de voilà quoi, le temps de ressasser le passé avec cette chère amie. Voilà. Donc on en était à notre fameux condamné à mort qui est toujours dans le coin ou pas? Hein, je le vois plus. Est-ce qu'il aurait été... Est-ce qu'il serait dans sa cellule? Aurait-il été déplacé dans sa cellule? Je ne le vois point. Je ne le vois point. On va juste checker un petit peu rapidement ce qu'il en est de lui. Ok, il est en train d'être transféré dans sa cellule. Voilà, donc on va assister à la mise en cage de ce double tueur, cet homme violent. Que la justice a condamné à mort. Je sais pas dans quelle cellule il ira. Ce sera cette cellule. Très bien. Alors, je vais juste voir un truc. C'est au niveau de la qualité des pièces. Donc, c'est ça. Les fenêtres doivent porter vers l'extérieur pour qu'elles soient prises en compte. Bon. Bon, on le saura, on a des... Bon, on va voir un petit peu... Non, on peut pas gérer donc les condamnés à mort. Donc les repas leur sont amenés, comme dans la vie réelle, hein. Les repas leur sont amenés et ils ne quittent pas leur salle. Donc j'ai bien fait hein, de... J'ai bien fait de lui mettre un bureau, j'ai bien fait de lui mettre tout ce qu'il faut. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui apporter de plus. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, de la visite. Très bien, d'accord. Alors, il a de la visite. Donc on va vraiment se baser sur ce prisonnier, on va suivre son évolution, hein, clairement. Voilà. Peut-être qu'on pourrait... Enfin... Allez, peut-être qu'à la fin, je ferai un petit... À l'aide du... Comment? De ce que je... De ce que j'enregistre, là, je ferai hein, une sorte de carnet de bord, en fait. Je vais faire ça. Je vais le... Je pense qu'à la fin, je ferai un petit résumé où j'incarnerai, enfin je serai donc le narrateur, et j'incarnerai ce personnage et je dirai premier jour. Voilà, premier jour, il s'est passé ça, lors de l'arrivée de ma prison, enfin voilà. Ce genre de choses, voilà, je vais certainement le... Voilà, je vais certainement faire ça va être passionnant. Un petit peu comme ce que fait le joueur du grenier. Avec This War of Mine. Si vous connaissez pas ça, allez sur la chaîne du Bazar du Grenier. Oh, vous devez certainement connaître. Vous
devez certainement connaître, mais allez sur la chaîne Bazar du Grenier, qui est la chaîne secondaire du joueur du grenier. Et je vous recommande de regarder sa série This War of Mine, qui franchement est très très prenante. Franchement, moi quand ce let's play comment il dit narratif, ouais, ce let's play narratif, c'est comme ça que ça s'appelle, il me semble. Je trouve ça super, ouais, super intéressant, quoi. Bon, alors il y a un truc qui m'ennuie quand même. C'est que là, il est en contact avec les autres prisonniers. Et que ça peut dégénérer à tout moment et qu'il peut se faire buter. Donc ça, clairement, ça ne me plaît pas du tout. Moi, je voudrais, c'est que cet homme soit en permanence surveillé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait demi-tour? L'heure des visites est terminée? Tu déconnes. Oh, la rage! Il avait de la visite, il n'a pas eu le temps d'arriver. Est-ce que je prends ça en compte et que je vais créer un parloir spécial pour les condamnés à mort? Ça peut se faire, hein. Voilà, bon. Alors ça, c'est très triste. C'est qu'il n'a pas pu voir qui la visite qui était attendue. C'est vrai que le parloir est relativement loin. En fait, les services deviennent trop loin. Les services deviennent un peu trop éloignés de la prison. Parce qu'en fait, je me rends compte, c'est que mes 700 prisonniers, en fait, ils débarroulent tous ici, en fait. Alors, j'ai une solution pour ça. Je peux déjà diviser en plusieurs tiers ce problème. Je peux le faire et je vais certainement le faire. Pour cela, c'est relativement simple, c'est simplement la gestion de régime. C'est en fait, je vais complètement... par exemple, les basses sécurités vont prendre leur douche avant la moyenne sécurité et la haute sécurité après la moyenne sécurité. En fait, je vais faire une sorte de... Voilà quoi, de diagonale dans le... Ouais, dans le... Dans le truc quoi. On peut le faire. Je vais essayer. Allez, on va faire ça. Donc, on va partir du principe que ça, c'est le planning de base qui doit continuellement être respecté. Et je vais tout décaler d'un, deux, trois. Ouais, allez, je vais tout décaler de deux, trois. Donc, ok. 3 heures de temps libre. Ok, 2 heures de repas. 2 heures de cours. 3 heures de travail. Et 3, 2 heures de repas.
une heure de temps libre. Et coucher à 9h. Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre sécurité, mais plus bas. Donc, et là vous voyez que par exemple mes basses sécurité ne croisent à aucun moment. Attendez, il y a un truc qui va pas. C'est 2 heures de repas. 1 heure de travail ici. Non. Non, pardon. Ah, c'est pas vrai. Attendez, repas. Non, là c'est repas court travail. 1, 2. Voilà. Ensuite, c'est 2 heures de repas. Après les 3 heures de travail. Ensuite, c'est temps libre. Et coucher à 8h. Ok. On va faire ça comme ça. Bon, ben voilà. Et en fait, on va tous les décaler. Et comme ça... Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut que le temps libre... Essayer comme ça. Donc sommeil, comment dire, attendez, je réfléchis. Est-ce que je mets les hautes sécurité à cheval ou non? Parce que là quand même ça fait terminer tard haute sécurité. Et ben les hautes sécurités auront moins de temps libre. C'est tout. On va, tant pis, on va les mettre en colère, mais on va faire ça comme ça. Donc la douche. Ah non mais je suis con. Ça va pas être compliqué. On va inverser juste le temps libre et le temps. Ouais, je peux pas inverser le temps libre. Si, je peux faire comme ça. Je peux faire comme ça. Je leur mets une. Non, non. Je leur mets 1 heure de temps libre. Non, ça, non, ça passe pas là. Attendez, je m'en pose. Non, ça peut pas passer comme ça. Ou plutôt, je leur mets. Comment je peux faire? Je réfléchis, hein, comment je peux arranger le truc, comment je peux mélanger les choses. Ils ne vont pas commencer par un repas à 5h du matin, quoi, je veux dire, ça n'a aucun sens. Parce que le truc, c'est que si je fais commencer la douche après, voilà, quoi, là, les mecs, ils prennent leur douche à 3h du matin. Je vais voir, on va procéder de la même manière. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire, voilà, 3h après, la douche. Ensuite, après la douche, c'est du temps libre. Ensuite, après le temps libre, c'est le repas, 2 heures. Ensuite, c'est la cour, 2 heures. Ensuite, c'est le travail, 3 heures. Voilà. Non, le travail, 3 heures, je dis. Ensuite, repas, 2 heures. Mais... En fait, je me demande s'il faudrait pas faire ça. 3 heures de travail. Voilà. Ouais, mais si je tombe en repas, il tombe au même moment que les moyennes sécurité. Donc ici, c'est pas le repas. Et puis il faut qu'ils aient 2 repas par jour quand même. Donc le repas ici. Et il manque... Qu'est-ce qu'il manque? Ils ont au total 4 heures de repas, 2 heures de douche,
Alors ils ont pendant 5 heures de travail, qu'est-ce qui manque là? Après c'est le sommeil, c'est ça. Après c'est du sommeil. Donc est-ce que si je fais plus tôt? Ça coince ou comment ça se passe? Si je fais le travail. Ouais, excusez-moi. Non, alors travail. Un. Donc ici c'est du sommeil. Est-ce que si à 4h du matin je les envoie au travail dès le départ? Ensuite, je leur mets 2 heures de temps libre. Ensuite, je leur mets la douche. Je leur mets 3 heures de temps libre, 2 heures de douche. Ouais, non, ça se chevauche. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que ça se chevauche. Donc, je peux leur mettre que 2 heures de temps libre, puis la douche. Parce que je veux pas que ça se finisse trop tard en fait la journée, hein, c'est ça le problème. Ou alors je décale tout et je commence la journée à 1h du matin, quoi. Enfin, c'est... Donc déjà, attendez, je vais mettre cellule là où il n'y a rien d'attribué. Donc ça non plus. La douche seulement 2 heures. Donc voilà. Donc pour le moment j'ai ça. Donc déjà, le repas, les 2 heures de repas, voilà. Je peux faire ça et la cour tout de suite après pour la dépense. Voilà. Non, c'est... Alors, de là. Alors, on peut admettre qu'ils vont avoir un peu moins de temps libre. En soi, d'ailleurs, je devrais attribuer plus de temps libre aux basses sécurités qu'aux hautes sécurités. Donc, temps libre, non, donc on va dire sommeil. 1 heure de plus pour les moyennes sécurités. Voilà, il y aura qu'en fait que les basses sécurités qui auront un peu de temps libre avant le sommeil. Les hautes sécurités n'auront que 2 heures. Qu'est-ce que je peux caser là? Sachant qu'ils ont le repas après. Alors. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque. Donc soit je remets du temps libre, mais ça les fait monter à 6 heures de temps libre, faut pas déconner. Ok, alors on va faire comme ça. On va faire comme ça, c'est sommeil. Ici, ça sera du sommeil comme les moyens de sécurité. Ici, ce sera du travail. Cours, travail, travail, repas, repas. Et puis bah, en fait, eux, ils auront 6 heures de travail. Point. Eux, ils vont travailler 2 fois plus que les autres. Avec moins de temps libre. Voilà. On va faire ça comme ça. Et les programmes, on va tous les replanifier. Voilà. On va voir, normalement notre prison devrait mieux fonctionner comme ceci. Alors c'est peut-être n'importe quoi sur certains trucs. Je regarde. Hein. Mais je pense clairement que c'est la meilleure solution. Parce que là au moins on a personne qui chevauche. Donc la cuisine peut être plus facilement gérée.
Stop, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une heure de travail ici. Décaler le repas. Décaler la cour. Donc supprimer une heure de travail ici. Et là, ça se chevauche plus du tout. Donc ils gardent leurs 6 heures de travail. Mais ils travaillent un coup 4 heures, un coup 2 heures. J'organise les programmes. Vis-à-vis de ça. Ok. Et là, on relance. Et là au moins, il devrait plus y avoir de soucis. Donc on est d'accord, je vérifie. Non, si, il y a encore un problème parce qu'il y en a. Enfin, le travail encore, c'est pas gênant que ça se chevauche. Mais là, vous voyez, il y a 2 heures où la basse sécurité et la haute sécurité travaillent ensemble. Donc ça va pas. Et ben, je sais ce qu'on va faire. Voilà. Tout le monde a 4 heures de temps libre. Les hautes sécurités ont juste 1 heure de travail en plus. Ils ont tous 4 heures de repas, 2 heures de cours et 4 heures de travail. Bon, donc c'est ça. Donc là, c'est équilibré. Il y a juste la haute sécurité qui a 1 heure de travail en plus. Mais au moins, tout le monde est content. Tout le monde est content. Moi, le premier. Allez, c'est parti. Alors, encore une fois, les programmes. On les replanifie. Voilà. Parce qu'à chaque fois qu'on modifie l'emploi du temps. Voilà. Allez, voilà. Normalement, c'est bon. Putain, la vache, c'est quoi tous ces trous? Il y en a des vrais ou il doit y en avoir un vrai dans le lot? Non, viens là, toi. Là, il y a un problème. Cette cellule a un problème. Mais zoom! C'est pas vrai. Elle est où ma cellule? Elle est là ma cellule. Allez zoom! Oh, qu'est-ce qu'il... Ok, j'ai trouvé pourquoi. Donc c'est la cellule qui pose problème le premier coup. C'est juste que la cellule... Non, pas cellule d'attente, cellule. Hop, ici c'est pas déclaré comme étant une cellule. Donc maintenant ça l'est. Et là j'ai un nombre pair de cellules. Quand elle sera validée. Un problème. Ouais, il n'y a pas encore eu le temps de... Ouais, puis les toilettes n'étaient pas comprises en plus dans la cellule résultat. Bon, ok, c'était juste un petit problème de logistique. Rien de bien grave. Voilà. On va jeter encore un oeil à notre fameux condamné à mort. Où est-il? Il est là. Il est là. Il dort. Voilà, il dort. Bon. Bah si, il dort. Hein. Alors, juste une question, est-ce que, pour savoir, hein, est-ce qu'il fait partie d'un gang? Il ne fait pas partie d'un gang, donc ça nous pose aucun problème, pas de soucis. Ok, au niveau des gangs, j'ai un gang qui pose problème. J'ai deux gangs qui posent problème. Alors, lui déjà, je peux le mettre à l'isolement, sans problème. Et l'autre, je l'ai vu. Ok, et donc là, il y a lui, mais il y en a un autre. Il y a lui, mais lui, il est déjà... D'accord, je l'ai pas sanctionné en fait.
Et donc là, si je fais intelligence gang, je dois avoir un membre de gang à l'isolement qui n'est pas. Ou alors il y en a deux l'un à côté de l'autre et je n'aurais pas vu l'autre, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Il y a un membre de gang rouge quelque part qui n'a pas son équipement rouge. Top. Ce serait pas lui? Non, non, il est en rouge. Il a l'isolement, donc tout va bien. Donc c'est pas lui. Je sais pas. Il y a un mec en roue. Enfin, il y a. À l'occasion, je cherche midi à 14h, mais. Et il n'est pas dans sa cellule. Mince. De plus, cet homme n'est pas dans sa cellule. L'occasion, c'est lui qui est en train d'être envoyé, mais il. On va voir. Quand il va rentrer dans une cellule, on va voir si ça fait disparaître la cellule à gauche. Mais je veux garder le contrôle de mes cellules en fait. Que sinon, attendez. Oh, c'est une prison, c'est pas un hôtel. Bon. Attendez, je rêve ou il sort lui? Eh, oh! Qui donc là, votre prisonnier là? Non, non, c'est un membre de gang, non, non, il est juste blessé. Il a essayé de se tailler les veines en isolement, hein. Bon voilà quoi, ah, voilà quoi, c'est des choses qui arrivent quoi, voilà quoi, j'ai envie de dire, le mec, voilà quoi. Le mec pour lui, c'est dur, voilà, il est à l'isolement, parce qu'il a fait le con, et il assume pas d'avoir fait le con, enfin voilà quoi. Bon, excusez-moi. Oui, je suis un salaud. Bon. J'ai juste validé ces bâtiments. Parce que c'est pas tout ça, mais on a aussi l'objectif d'atteindre les 1000 prisonniers, quoi. Le condamner à mort, c'est une chose, mais. Ah oui, attendez, il y a un truc que j'ai pas fait. Top! Il y a un truc que j'ai pas fait. Dans les programmes. Appel de la condamnation à mort. Pourquoi toutes les salles sont réservées? Je dois faire ça où? Une pièce, une séance. Mené par un juge d'appel, un avocat, durée de la séance 4 heures. Chaque prisonnier a besoin d'une table de parloir. Le prisonnier est dans le couloir de la mort. Embauche général, place assise réservée. Hein, peut se tenir en dehors des heures de travail. Place assise de formateur nécessaire. Les élèves peuvent être escortés par les gardiens. Ne peut être effectué que tous les 4 jours. Place à 6 d'élèves. Et quoi, c'est une nouvelle pièce? C'est quoi? C'est une pièce que j'ai pas vue? Ben non. C'est alors de devoir être fait dans un parloir, donc en fait il va falloir que je réserve un parloir. Uniquement à ça. Donc je vais arrêter un parloir, tant pis. Voilà, c'est ça.
Donc il faut que je réserve un parloir à ça. Bon. Ben, ça fait rien, hein. C'est juste une libération conditionnelle à la place du condamné à mort. De toute façon, c'est ça, hein, le... Enfin, il a le droit à un appel tous les 4 jours. Enfin, un appel. C'est à une... En fait, c'est une... Quand je dis appel, c'est le... C'est un appel juridique, en fait. C'est... Enfin, c'est... C'est faire appel de sa décision. Voilà. C'est pas appeler quelqu'un, c'est faire appel de sa décision. C'est appel au niveau juridique. C'est... Voilà. Bon, si... C'est du juridique. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous verrez certainement ça peut-être en BTS. Voilà. En dehors de l'éducation civique, vous verrez peut-être ça plus en détail en BTS. Moi, c'est en BTS que j'ai pu voir un petit peu de juridique, comme ça. C'est ça que je voulais relire. La première unité de négociation de paix, l'accord de la paix, mon cher. Chaque appel infructueux diminue cette valeur. On est parti pour se le payer pendant au moins... Donc j'en ai un tous les 4 jours. Admettons que ça fasse baisser de 5% tous les 4 jours. Il faut que je tombe en dessous des 10%. Donc il faut que il fasse son appel au total. Donc 20, 25, 30, 35. Il faut qu'il fasse 6 appels ratés. 6 appels ratés. Et 6 fois 4, 24. Je suis parti pour me le payer, pour me le payer pendant 24 jours. Attendez, 24 jours. Enfin voilà quoi, enfin. Ouais non, ça va être long. Ouais non, je pense que je vais scénariser ça. Je vais filmer, je vais scénariser, hein, obligé. Enfin. Enfin ouais, oui, je vais scénariser ce truc. Parce que oui, on va faire ça comme ça, je pense. Parce que là, ça va être. Et attendez, parce que en plus, là pour le moment, c'est une partie chiante du jeu, mais on n'a pas fini. Parce qu'il y aura également le mode évasion qu'on a toujours pas fait. Enfin, qu'on n'a pas fait. Et qu'on testera. Mais après la condamnation à mort, on va jusque-là et après on essaiera ça. Quoi? Pourquoi impossible? Pas d'accès. Tu te fous de moi? Bon, bref. Alors, démonter. Non. Démolir mur. Alors. Ce mur. Ce mur. Ce mur. Ouais, enfin ce mur, ouais. Faut mettre la très vite la porte derrière. Hein. Je vous préviens les mecs. Alors, pause. Ouverte. 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 En fait, je suis sûr que cette porte est